Coralie Porovecchio enceinte, la maman partage un détail préoccupant sur sa troisième grossesse. Coralie Porovecchio et Boubacar Camara s'apprêtent à devenir parents pour la troisième fois. Ils ont déjà accueilli deux petits garçons, Leroy, né en 2020, et Kingsley, né en 2022. Ce mardi 12 décembre 2023, Coralie Porovecchio a partagé des nouvelles de sa grossesse sur ses réseaux sociaux. La jolie annonce est tombée il y a plus d'un mois, Coralie Porovecchio est enceinte de son troisième enfant. Sa famille ne cesse de s'agrandir, pour son plus grand bonheur. L'année 2023 a été plutôt clémente pour son couple, puisque si est au mois de juin qu'elle a enfin dit oui à son chéri, le footballeur Boubacar Camara. Même si leur lune de miel s'est fait attendre, les deux amoureux semblent bien plus proches que jamais. La joie de cette troisième grossesse les a bien sûr rapprochés. Si est aussi sur ses réseaux sociaux que l'ancienne candidate de Secret Story partage son quotidien de femme enceinte avec ses abonnés. Elle a notamment fait part de sa fatigue et de douleur, pour lesquelles elle s'est soumise à un examen médical. Ce mardi 12 décembre 2023, elle s'est d'ailleurs confiée sur sa nuit très compliquée, en effet, ses deux petits garçons sont malades. Coralie Porovecchio préoccupée par son futur accouchement. Si est aussi sur son compte Snapchat qu'elle a donné des nouvelles de sa grossesse après son dernier rendez-vous avec sa gynécologue obstétricienne. Bébé s'est de nouveau retourné. Il est de nouveau en siège, pour couronner ma nuit et les maladies de tout le monde, a-t-elle expliqué, blasée. Quelques minutes plus tard, Coralie Porovecchio a détaillé ce rendez-vous médical, où bébé s'était bien remis en place. Il paraît que lors de la troisième grossesse en si peu de temps, la sangle abdominale n'est plus très tonique, donc bébé a vraiment beaucoup de place. En plus, ce n'est pas un très gros bébé. Donc il pourrait bouger. On verra bien vers la fin. La maman s'est aussi rassurée en se rappelant qu'il était possible d'accoucher d'un bébé en siège. Quelques heures plus tard, si est sur son compte Instagram qu'elle a informé les abonnés de cette plateforme. Mauvaise nouvelle parce que bébé s'est de nouveau retourné, donc voilà, à voir. Voilà un bébé bien dynamique. Un futur footballeur en devenir? À suivre.